Ils ont vécu un beau mariage pendant une dizaine d'années. En 1996, le prince Andrew et Sarah Ferguson ont finalement décidé de divorcer. Une décision prise d'un accord commun que leurs deux filles, les princesses Béatrice et Eugénie d'York, ont toujours accepté. Mais cela ne les empêche pas d'être parfois nostalgiques. Le 24 juillet dernier sur son compte Instagram, l'épouse de Jack Brooksbank a voulu célébrer l'anniversaire de mariage de ses parents. Elle a ainsi partagé deux tendres photos du prince Andrew et de Sarah Ferguson lors de leur union en 1986 à l'abbaye de Westminster. Qui d'autre a jamais oublié de féliciter ses parents pour leur anniversaire de mariage, écrit-elle en légende. J'ai un jour de retard, mais je voulais célébrer le mariage de mes parents il y a 33 ans. Merci d'être toujours le meilleur des amis et de nous avoir élevés ensemble. Il faut dire que depuis leur divorce, Sarah Ferguson et le duc d'York ont gardé de très bonnes relations. Il n'est en effet pas rare de les voir côte à côte lors d'événements officiels. De leur promiscuité étonnante, les médias anglais tirent même des rumeurs de retour de flamme. Et si ni l'un ni l'autre n'a pour le moment évoqué ce sujet, on sait déjà que Sarah Ferguson ne serait pas contre. En 2011, elle se souvenait avec bonheur de leurs années de mariage. Je la aimais, si estime mon âme sœur. On s'honore et on se respecte mutuellement jusqu'à ce que la mort nous sépare. La seule chose, si est-il qu'il a des petites amies et moi des petits copains, confiait-elle d'ailleurs au Harper Bazaar.